Bonjour, mes chers élèves du deuxième bac PCB au lycée privé Omar Abdelhadji Didar. Soyez les bienvenus dans cette séance de soutien pour aborder certains exercices sur les limites concernant la fonction racine n. On va partager l'écran pour faire la première limite qu'on vous a demandé. Pas difficile. Vous allez voir la correction. Donc, mes chers élèves, nous avons exercice je calcule. Voilà, limite de racine cubique de x plus 8. Moins 2 sur x quand x tend vers 0. Voilà la première question de cet exercice. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir est-ce qu'on a une forme indéterminée. Regardez, nous avons racine cubique de 8 est égal à 0. Donc, lorsque je remplace x par 0, je remplace 8 sur 8, racine cubique de 8 sur 2 moins 2, donc égale 0. C'est 0, forme indéterminée. On va essayer d'enlever cette détermination. Pour cela, on fait appel à une identité remarquable très importante. Donc, vous savez que A au cube moins B au cube, c'est A moins B facteur de A carré plus AB plus B au carré. Bon, donc, dans le rôle racine cubique de x va jouer le rôle de A et B2 va jouer le rôle de B. Alors maintenant, on va continuer notre réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier par le conjugué. Donc, racine cubique de x plus 8 moins 2. Voilà, on va la multiplier par le conjugué. C'est A au carré, on va multiplier par A au carré, plus AB, plus B au carré, 2 au carré, ça fait 4. Alors, ça, c'est égal à A au cube, moins B au cube. Bien sûr, qui est égal à x plus 8 moins 8, qui est égal à x. Vous savez, sa formule racine de x nm à la puissance n, c'est x, x positif. Ça, c'est une formule qu'on connaît. Donc, on va profiter de cette identité remarquable pour trouver le résultat qu'on veut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, limite de racine cubique de x plus 8 moins 2 sur x quand x tend vers 0, c'est égal à limite de la x plus 8 moins 2, on a multiplié par le conjugué qui est A carré plus AB, c'est-à-dire 2 racine cubique de x plus 8 plus 4. On va diviser, voilà, x facteur de racine de cubique de x plus 8 au carré plus 2 racine cubique de x plus 8 plus 4. Quand x tend vers 0, ou c'est 0. On avait que celui-là était, on a déjà calculé ça, c'est x sur x facteur de racine de x au cube plus 8 au carré plus 2 racine cubique de x plus 8 plus 4. Alors on va simplifier par x.
ça va donner les limites de L sur racine cubique de x plus 8 plutôt au carré plus 2 racine cubique de x plus 8 plus 4. On va remplacer. Alors 0 plus 8 c'est 8, 2 au carré c'est 4, plus 4 plus 4. Et ça va donner 1 sur 10. Donc voilà le résultat définitif. C'est 1 sur 12. Maintenant, mes élèves, on va passer à la deuxième question de cet exercice concernant notre limite. Bon, il s'agit de calculer limite de racine cubique de x moins 1 moins racine cubique de x au cube plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. Vous voyez ici que c'est plus l'infini, ici c'est plus l'infini moins l'infini. Forme indéterminée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il est égal à la limite de racine cubique de x au cube moins 1 sur x moins limite. Mais on a pas mal de méthodes, mais je choisis ça, c'est plus simple. Pour x, on va plus l'infini. Pour x, on va plus l'infini. Alors, vous savez que dans le cas x positif, x tend vers plus l'infini, x positif. Et racine cubique, c'est x, ça à connaître. Donc, on doit, puisqu'on va faire, on va utiliser cette notion. Il est clair qu'elle limite de racine cubique de x au cube plus 1 sur racine cubique de x au cube à la place de x moins limite de racine cubique de x au cube plus 1 sur racine cubique de x au cube quand x tend vers plus l'infini. Alors je vais corriger c. Donc, est égal à l'égale limite de racine cubique de x moins 1 sur x au cube. Voilà, moins limite. Comme vous voyez, de racine cubique de x au cube plus 1 sur x. Donc x tend vers plus l'infini. Donc c'est x tend vers plus l'infini. Nous avons une formule que racine énième de x sur racine énième de y, c'est racine énième de x sur y. Avec x positif et y aussi positif.
Voilà, donc ça, c'est une formule qu'on a utilisée. On continue de ces élèves. Qui est égal à la limite de racine de x au cube sur x au cube, c'est 1, 1 sur x au cube, moins limite de racine cubique de x au cube sur x au cube, c'est 1, plus 1 sur x au cube, quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini. Alors vous voyez qu'on par passage à la limite, alors ce terme-là, il tend vers 0. Ce terme-là, quand x tend vers plus l'infini, il tend vers 0. Donc, puisqu'il reste de 16 élèves, donc tout égal à 1 moins 1, tout égal à 0. Donc, 1 sur plus l'infini, la limite de 1 sur x au cube, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, on a terminé la deuxième limite. Voilà mes élèves, on a fait deux limites très importantes. La limite de racine cubique de x plus 8 moins 2 sur x quand x tend vers 0 et la deuxième limite. Donc, merci de votre attention. On va continuer d'autres exercices sur les limites afin de bien les assimiler. Je vous encourage, je vous félicite. Bonne chance et bonne réussite.